Bonjour et bienvenue à notre toute première émission Souillons de culture, émission dans laquelle nous allons mélanger culture et humour. Nous allons l'intituler Coup de pied dans le dictionnaire, car nous souhaitons donner un grand coup de pied. Et pour cela, nous avons un invité spécial, le docteur Munoz, spécialiste en lettres H. C'est bien ça? C'est cela. Reprenez-moi si je me trompe. Non, c'est bien cela. Bonjour. Licencié à l'université de la Sorbonne, oui. Qui se situe je ne sais plus trop où. Oui, et vous qui avez... est au Vatican. Hein. Excusez-moi, mais mes notes sont un peu fouillies et vous avez écrit... Non, je n'ai pas encore écrit, mais si vous voulez, je peux vous parler de mes 8 prochains livres. Mais ils sont tous blancs, non? Oui, bien sûr, je ne les ai pas écrits encore, mais j'anticipe, mon ami, j'anticipe. D'accord. En parlant de j'anticipe, c'est devait être notre invité spécial ce soir. Son fauteuil est malheureusement vide, mais nous avions également pensé à Thierry Henry, qui est un grand spécialiste des coups de pied en tout genre, notamment dans le dictionnaire. Mais en attendant, Charles est parmi nous. Charles Campignat, un argelasien de souche, puisqu'il y est né le 16 septembre 1957. C'est exact. Et docteur Munoz me disait que vous étiez athée, pourtant je vous vois assez souvent à l'église. Souvent à l'église, mais tout d'abord, merci de m'inviter à votre première émission Couillon de culture. Hein, et merci. Et qu'on s'appelle, vous me voyez souvent à la messe, c'est pas tout à fait exact, puisque j'y vais 3 fois dans l'année. Le 27 décembre pour la messe de minuit, le 14 février pour la Saint-Valentin et le 4 novembre pour la Saint-Charles. Et on peut dire que ce jour-là, le jour de la Saint-Charles, c'est le jour où il y a le plus de monde à la messe. Aurait-il une raison à cela, monsieur? Oui, il y a une raison, puisque qu'on s'appelle Argelès, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Charles. Je vous remercie, Charles. Professeur Munoz? Professeur. Excusez-moi, je... Professeur Munoz, pourquoi se spécialiser sur un doctorat en lettres H? J'avoue que ma curiosité est aiguisée. Vous n'êtes pas le seul, mon cher ami. Ce n'est pas la première fois qu'on me le demande. Et sachez, monsieur, que de toutes les lettres de l'alphabet, celle-ci est celle qui m'inspire le plus. Et qu'en plus, il s'agit là d'une lettre historique, d'où le H dans historique. Et sans H, il n'y aurait pas de rugby. Imaginez, pour un moment, Argelès en rugby. J'avoue y avoir du mal. Je sais pas ce que vous... c'est un peu comme Collioure sans anchois. Exactement. Je n'avais pas songé. Voilà, qui est fort intéressant. Mais ce soir, on était là pour donner un coup de pied dans le dictionnaire. Quelle est la possibilité avec la lettre H de donner un coup de pied dans le dictionnaire? La lettre H est une lettre qui a toujours eu un vécu très important dans nos vies, qui nous a coûté des bons coups de règle au bout des doigts. Car à chaque liaison entre la lettre H et le S du pluriel, comme les haricots par exemple, nous étions punis à coups de règle au bout des doigts. Je vois que vous avez le bout des doigts bien carré. Tout à fait. C'est une spécialité de la famille. Je comprends. Et après des décennies, nous avons encore les doigts écarés. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans le droit de dire des haricots. Je trouve cela très décadent, monsieur. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur? J'ai vraiment du mal à vous suivre. Je veux dire par là que les personnes de l'Académie des Lettres, qui essaient de faire au mieux leur travail, s'appliquent à vouloir faire évoluer une langue française qui soi-disant est vivante, mais qui, à mes yeux, ne l'est pas tant que ça, puisque l'éducation nationale ne fait pas bien leur travail, d'où se voit dans l'obligation l'Académie des Lettres d'illuminer les illettrés que nous sommes, nous, les Français. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire évoluer le dictionnaire, finalement, au fil des usages. Là est le devoir de l'Académie des Lettres, mon cher ami. Ceci dit, si l'éducation n'est pas de taille, nous en arrivons à des inepties comme celle-ci. Des haricots devient aujourd'hui des haricots et demain, un haricot s'écrira avec un Z. Et tout ça n'est qu'un problème de liaison. Quel est votre avis sur les liaisons? Oh, il y a dans notre vie de tous les jours, quel qu'il soit, la liaison est indispensable. Il y a la liaison culinaire, le haricot avec les boules de picolate. La liaison politique, entre Algas et Escloupé. La liaison sur les vins, entre le Carignan et le Grenache. Mais aussi la liaison sexuelle, entre un homme et une femme. Entre une femme et une femme, entre un homme et un homme. Et les grandes liaisons sexuelles, ce sont les partouzes. Mais il y en a partouzes. Voilà. Mais également, il y a les liaisons dangereuses, celles qui se superposent. Entre, par exemple, le dernier exemple qu'on peut avoir au niveau national, c'est entre François Hollande, Valérie Trémégère et Julie Gayet. Exact. Vous voyez, ça c'est une liaison dangereuse qui met notre pays en danger.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai vu, en parlant d'intérêt, que vous aviez manifesté un intérêt pour la liaison entre Guy Esclopé et Pierre Lagasse. Oui, exactement. Je trouve qu'il est malheureux que les choses se passent de cette façon. Ceci dit, je n'ai pas l'ombre d'une idée de ce qu'il se passe exactement, mais que voulez-vous que je vous dise? Voilà 15 ans d'une magnifique liaison qui se rompt aujourd'hui. C'est malheureux, certes, mais il faut penser aussi que dans l'adversité, la politique se manifeste justement dans cette diversité, cette adversité. Et qu'est-ce que vous imaginez comme liaison qui pourrait être utile dans notre village, notamment? Qu'est-ce que vous en pensez, Mais Jean? également, il y a toutes sortes de liaisons qu'on peut Je faire. parle de Si liaison on va à la politique, cabane monsieur, du ne soyez pêcheur, par pas. exemple, si on va à la cabane du pêcheur, une liaison entre qu'on s'appelle son crémant de Limoux et ses huîtres. Ça, c'est une liaison parfaite que propose Karine de la cabane du Tout à pêcheur. fait, mais là, nous rentrons là-dedans sur des liaisons, je dirais, culinaires, et je me proposais de vous inviter lors de notre prochaine émission, qui serait sur le thème des recettes culinaires. Parce qu'il me semble que c'est un sujet qui découle de ces liaisons un petit peu différentes que nous avons évoquées ce soir. D'autant plus que chez nous, le pays catalan, on a toute une histoire, une tradition culinaire. Et on a intérêt à l'entretenir. Notamment, Oui. professeur docteur Munoz, Très bien. qui est un grand fanatique des boules de picoulat. Exactement, monsieur. Et nous nous battons aujourd'hui pour que McDonald's est en train de récupérer les boules de picoulat. Il faut le savoir. Et nous nous battons contre ça. Parce qu'il faut que les boules de picoulat restent chez nous, restaurateurs traditionnels. Exactement. Et qu'on s'appelle. Et quand vous voyez que McDonald's demain veut faire des boules de picoulat dans son sandwich, eh bien ça, c'est inadmissible. Très bien. Donc, puisque notre émission a été rebaptisée Couillon de culture ce soir, j'aimerais savoir quel sujet vous aimeriez aborder lors de notre second numéro. Docteur Munoz, est-ce que vous avez un sujet qui vous inspire pour notre prochaine Comme émission? ça, sans réfléchir, couille de picoulate. Finalement, c'est un sujet qui me paraît être Tout à assez fait. ouvert d'esprit pour intéresser la population argelésienne. Oui, tout à fait. Ou alors, lors d'une prochaine émission également, on peut faire sur le vin. Et qui dit le vin dit vendange, qui dit vendange dit vendangeur, qui dit vendangeur dit vendangeuse. Et donc, on peut parler également Des liaisons. Nous des revenons à une liaisons, autre des liaison liaisons du entre le vendange. sécateur et la couille de picoulat. Voilà. Par exemple. Eh bien, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours dans notre second numéro de Couillon de culture. Merci beaucoup de nous avoir Merci. invités. Merci à vous. Bonne soirée. Thank you.